Salut à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Elle. Alors, comme on me contente d'y aller à chaque fois, c'est un partage avec un invité qui nous aide, mais c'est aussi une découverte de l'île, hein, parce qu'il nous fait vraiment le tour de l'île, la Zordine, une ville d'un magnifique endroit, coup de fer, bon vivre, un endroit magnifique que j'aime particulièrement. Alors, nous à Maïbou, précisément à Pointe-Canon. Nous venons l'invité du jour. Alors, Li, il y en a le social dans la peau. Depuis sa tendre enfance, il y a un déclic dans la vie, qu'il pourra raconter nous au cours de l'émission, qui nous pousse, Li, engage, Li, plus dans le social. Et depuis quelques années, Li fonde l'association que Li occupe des enfants en situation de handicap. Alors, il s'agit de Ferozia Osania. Bonjour Ferozia. Bonjour Clara, merci de m'avoir invitée ici et merci d'être venue à Maïbou parce que, comment te trouver, Maïbou c'est une place vraiment magique. Magique, qui fait vraiment bon vivre. Et là, je suis contente d'être là pour présenter moi-même et mon parcours dans la vie. Dans le social. Et qui finit de commencer, alors avant qu'il nous pour cause l'association, nous pour cause quand même aux participations dans le social, tant au niveau local et international, et nous cause aux jeunesse, ou l'enfance, Ferozia, qui ne passe dans Maïbou. Ça veut dire que moi, je suis née à Maïbou, je suis habitante de Maïbou, Maïbou dans la peau, comment nous dire. Jusqu'au bout des ongles. La raison pourquoi je choisis sa place-là, c'est sa place-là, elle évoque beaucoup mon enfance. Donc, mon enfance, il passe à Maïbou, au bord de la mer. Alors là, moi, interromps un petit coup, c'est vrai, parce que Ferozia, elle occupe des enfants. Alors qu'ils disent enfants, bien sûr, d'un petit anniversaire qui peut célébrer pas loin, des enfants péchant en tête côté. L'autre peut faire de répétition de danse de l'autre, donc d'où un petit bruit qui nous peut tendre. Donc c'est vraiment tout à fait normal, c'est ce qui fait la beauté d'un enfant. Nous laissons continuer, Ferozia. Donc là, les bateaux, la mer, la natation, ça fait partie de moi-même, de mon enfance, de à la pêche, l'île, avec mon ban tonton, à le bateau. Donc mon enfance, il passe vraiment à l'enfance joyeuse, écoute vraiment, comme on réévoque sa passé qui vient de passer là. Donc rien à dire, mon ami. Si c'était à refaire, tu pourrais faire. Si c'était à refaire, revivre à Maïbou, revivre sur le bateau, revivre le Maïbou de longtemps. D'autrefois, d'antan. D'antan, donc avec la voir, avec tout. Quel est le plus bon souvenir, regardez, de Maïbou? Alors, le plus bon souvenir qui m'a gardé de Maïbou, c'est ma partie de pêche à l'île Fort, l'île de la Passe, l'île Zégrette. Donc, à l'époque de longtemps, c'était pas pareil. Donc maintenant, l'île vient touristique et beaucoup de choses qui nous ratent maintenant, parce que maintenant, ils ont la permission pour rentrer dans une place comme ça. Mais c'est ça qui manque moi beaucoup, qui m'a envie de revivre ça. Mais malheureusement, l'enfance, il vient une seule fois dans la vie. Oui, alors, c'est un bon souvenir d'enfance. Mais donc c'est vrai que c'était pas courant chez toi à l'époque, une jeune fille qui allait à la pêche. Ah oui, oui, c'était pas courant, mais quand même à l'époque, la pêche crabe, la pêche poisson, bans enfants longtemps, c'était ça. Le parti quotidien, tout le monde, bans enfants, tu peux vivre. C'était, il y avait la sécurité quoi. Nous pas si comment dire, quand nos parents et que nous disent informer, quelquefois nous pas même informer, ils connaissent nous dans groupe, nous avec nos bans tontons, tout ça. Dans la mer quelque part, nous pour rentrer tantôt, et puis à l'époque, c'était beaucoup d'enfants, donc N2-3, nous sortions en groupe et puis ça soulage un petit peu les parents qui voilà. Sachant que vous n'êtes pas seule. Pas seule et puis comme si ils relivent un petit peu mes parents contents qui mes enfants là peuvent gagner l'occupation. Les parents comment dire mes enfants écoute maintenant qu'on nous trouvait et iPad et télévision, donc télévision pas existait même, donc voilà un petit peu nous avons télévision, si dans mes films jeudi c'est très rarement. Avec l'étude, avec. Enfin, c'était l'enfance inoubliable, quoi. En tout cas, entendre Ferozia, maintenir, voilà ce qu'il partage de l'enfance, parce que quand elle me l'a raconté à moi, nous sentir que vraiment ça vient du cœur. Et c'est vrai, hein, quand on est dans Maïbou, on est dans sa place là, nous sentir vraiment que c'est un endroit que faire bon vivre. Alors, Ferozia qui nous raconte tout son enfance, alors comment tous enfants, donc azotis ou engagés dans le social, mais en tant qu'ils enfants, en tant qu'ils jeunes, et où tu n'as pas de rêve, et c'est toujours été le social? Non, pas du tout.
Alors, mon rêve de longtemps, c'était pareil comme tout bon jeune, vivre quelqu'un dans la vie, mais pas du tout. C'était pas le social du tout. C'était être quelqu'une dans un département, un manager ou D'un whatever la bureau. tête, d'un bureau, une hôtesse de l'air aussi. Donc, je suis Oui, ça c'était contente, le guetter CRESA. J'ai ça. connu C'était aussi le le CRES, CRES de hôtesse de l'air, l'époque, oui. hôtesse de l'air, voyager, tout ça. Et puis, tout d'un coup, tout a changé avec la naissance de ma petite sœur. Qui est née avec une trisomie 21. Donc, on a une sœur qui est trisomique. Et Qui est dans la là, trentaine aujourd'hui. qui est dans la trentaine aujourd'hui. Et là, pour mes parents, c'était très, très, très difficile à vivre. Parce que, premièrement, tout mon bonne sœur finit mariée. Donc, avoir un enfant à cet âge-là, il était très, très difficile pour mon maman, surtout. Donc, il partait dans la même patience, parce qu'il était déjà un petit enfant. Donc, partait dans la même patience pour guetter un bébé dans la maison. Donc, moi, je en forme 4, et là, c'est moi qui deviens la mère pour le coup. D'accord, Donc, alors une tout a mère, tout a changé, changé dans votre tout a vie, alors, changé. ou pour raconte-nous ce changement-là, Férosia. Alors là, c'est tellement beau ce qu'on vit, ce qu'on entend, et la mer autour, comment on est capable de trouver le chant des oiseaux. Ben, nous propose un petit santé, après nous retrouvons-nous juste après. On se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on est trop. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Tout oublier, pour y croire, il faudra tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Zoom, 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 comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. Méchant, 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 méchant. On vient rentrer dans la leyenda. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi, là où les mots vont s'aimer les hommes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit coup de gnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre sur les monts d'hier. Papaya, papaya.
Alors, vers 15-16 ans, la vie change. La vie change et puis... Changer comment? Je m'ai réalisé que ma petite soeur, moi, c'était une seule chose qui était agacement, c'est que je peux trouver les pains de bébé comme tous les autres. Et ce qui s'était passé. Mais tu connais, on dit nous trisomie 21. Aujourd'hui, nous connaissons à l'époque. À l'époque, pas de ce qu'on est. Donc, c'était pas trop. C'était encore tabou quelque part. Oui, c'était tabou, très tabou. Et puis, bébé là, papa, tenir sur la tête. Lui, comme on dit, une poupée de chiffon. Et ce qui te gêne moi encore plus, en tant que jeune, c'est qu'il tient à 6 les doigts. D'accord. Et nous, pas tu trouves le défaut de la trisomie 21. Nous, pas tu connais que ça veut dire ça. Mais le petit porte attention sur les doigts. Sur les doigts, sur la main, donc il tient les doigts en plus. Et ça m'a une remorque qui m'a une famille qui t'y fait là. Personne ne connaît dans la famille, qu'ils enfants là. Il n'est pas pareil que moi, tous les enfants. Donc là, ce qui est plus gênant, c'est que quand je devinis, je dis, aïe, il y en a 6 les doigts, qui pour faire, il n'est pas bon, bien guetté, comment pour faire. Donc le plus. Ah, on entendait ce genre de remorque? Oui, beaucoup à l'époque. Moi, il y a même une cousine, mon maman, qui s'est venue dire, oh, mais comment tu as gagné des enfants qui ont 6 les doigts, toi? Donc, c'était comme si le défaut, quoi. Le défaut, on voyait que le défaut, là. Hein, c'est pas le mauvais côté, nous trouvons ça des affaires négatives. L'enfant, comme si c'était quelque chose de négatif, là. C'était pas quelque chose à voir de beau. Il n'y avait rien de beau, il n'y avait que le négatif. Donc, quand on grandit avec sa négativité-là, on trouve le bébé en quelque sorte, on commence à prier. Donc, on rentre dans la prière, on dit, aïe, on connaît tous les temps, on prie, ferme, tu servis normal. Pour moi, dans ma tête, dans ma prière, c'était la normalité. Donc, la normalité. Donc, tire-lui de sa situation d'handicap. Là. Donc, pour moi, ce n'était pas l'handicap. Hein. Pour moi, c'était tire-lui dans sa situation que tu étais là, faire-lui marcher, faire-lui causer, faire-lui vivre normal. Donc, pour moi, c'était ça la normalité, qu'il y marcher, lui causer comme tous les autres enfants. Et puis, on grandit comme ça, on commence à prendre la responsabilité de la... Mais est-ce que vos parents s'occupaient d'elle, Férosia? Oui, ma maman, mais seulement elle était gênée, elle était gênante pour lui pour sortir. Donc, si je n'ai pas sorti, ma maman n'a pas sorti. Si elle a un mariage, je n'ai pas pour le mariage, parce que pour lui, elle n'a pas connu comment pour elle... Comment pour gérer ça, pour c'est pas de sa faute, mais oui. À l'époque, pas connu comment puis, pour gérer. Et puis, le bébé, il tombe dans tous les sens, donc... Mais est-ce maman... que Zotine connaît? Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas tellement beaucoup échographie, non, tout ça, non, donc non, il n'est pas connu. Pas de connu du tout. Quand l'enfant est né, Zotine à l'âge de 5 ans, quand Fazana qui est né à 5 ans, une madame action familiale qui passait dans la cour, qui dit que ce bébé-là n'est pas normal. C'est là que, mais ou pas, okay. C'est là qu'il explique qu'il y a une association qui occupe des enfants comme lui. Donc, bizarre, ça, l'association-là. Du coup, toute ma vie a été bouleversée. Parce que pour gagner accès à la seule association-là, tu disais qu'elle habite dans la ville pour gagner l'accès. Quand on dit la ville. La ville à Kuepi. Donc là, mon papa qui dit, ben voilà, nous pas capable de continuer ici, c'est l'éducation de cet enfant-là qui prime. Son bien-être. Là. Donc, je finis mon HSC, nous bouger, nous, dans le cœur pipe. À contre-cœur. À contre-cœur, je quitte mon maïbo, moi, dans le cœur pipe. Et là, ma petite soeur, il y a l'école, la vie changée complètement. Je finis de faire mon HSC, tout mon rêve brisé, donc je me dis, j'ai besoin de rentrer dans. Comme stagiaire dans l'école que tu étais, mon business commence engagement dans sa domaine, dans sa l'éducation spécialisée. On connaît ça pendant 5 ans. Pendant alors 5 vous, ans. C'est vrai, c'est un changement de vie parce qu'à 14-15 ans, tu es un petit camarade, mais là, comment c'était pour un régional camarade? Comment gérer ça? Tout changer, mon maman, jusqu'à cela, moi, je n'ai pas capable d'accepter ça que là parce que c'était froid. C'était... moisissure partout, donc pour lui c'était plus difficile encore, mais moi avec le temps, avec comme si mon reprend mon vie, mon guette le côté avancement, la vision de ma sœur, et ce qui m'a oublié de dire aussi, c'est que quand j'étais petit, 4 ans, moi j'ai une camarade, j'ai une maternelle, donc moi j'ai insisté qu'il y a joué avec ma camarade maternelle, donc déjà là dans ma tête, c'est déjà énorme le côté inclusion sans qu'il me connaît qui ça veut dire inclusion. Tu as envie de jouer comme tous enfants. Comme tous enfants. Donc dans ma tête, maintenant nous cause l'inclusion beaucoup. Dans ma tête, moi j'ai un camarade qui est maternelle, me dit mais tu connais, laisse-moi servir dans 6 à 6, laisse-moi chanter, laisse-moi jouer. Peut-être ça pour développer. Donc là, il commence vraiment à développer. Et puis nous allons dans l'éducation spécialisée, dans l'école spéciale. Et là, on rentre comme stagiaire dans cette école-là. Et voilà, là, je tenais à remercier la présidente de l'association-là, qui est une très, très grande dame qui n'est plus là et qui me fait mon courrier, c'est Madame Nancy Piat.
Donc, Madame Nancy Piat, elle believe dans toute sa jeunesse qui me tient dans là. Donc là, elle commence envoyement de bonne formation. Elle commence pour moi, elle commence mise dans la formation et envoyement la Norvège. Et là, on commence à rentrer dans le domaine. Entre-temps, il est dans mon mariage, il est dans mes enfants qui naissent. Il y a eu quand même une vie normale, mais où dire donc, nous pouvons la partie formation, la partie que vraiment où intégrer le social. Mm-hmm. Mais où dire moi, c'est ce cas où maman se la mort. Mais quand les parents sont morts, maman est mort, on prend charge, vous savez? On prend charge, monsieur. Donc, moi, la vie, il pas passe pareil que moi, toute la vie, toute jeunesse. Ça veut dire que mon marié aussi. Avec nous, quand demandez-nous quel âge vous mariez, Férosia? Je me mariais à l'âge de 22 ans. Mm-hmm. Mais quand je me mariais, c'est qu'il me pensait, première chose qu'il m'a besoin de demander à mon fiancé, est-ce qu'il est capable d'accepter moi et ma soeur? Parce qu'il me dit déjà connu, qu'il voilà, si je me mariais, je quitte ma soeur derrière, ça non. Donc là, c'était déjà un compromis, voilà, mais quand il me propose, moi, je me dis, mais voilà, mon ancien qui a un handicap. Et m'a appelé à prendre la relève. Et là, je me suis salué. Je ne connais pas comment je disais ça, cette grande dame. Donc, mon futur mari à l'époque, il acceptait moi avec ma soeur. Donc, c'est il m'a dit, de ce côté-là, tu n'as aucun souci. Je suis contente de toi comment tu étais et avec ta soeur. Donc là, nous nous mariés. C'est le vrai amour avec un grand A. Avec un grand A. Donc, nous nous mariés et là, ma soeur, tu peux venir passer comme tu es en vacances, donc je prends l'île, tu peux déjà venir avec moi. Donc, nous avons fini de créer sa relation future qui pourra m'amener pour venir vivre chez moi. D'accord. En donc, tout cas, simplement magnifique. Et ce parcours hein, qui continue. Alors là, puisqu'ils nous ont l'association avec Farida, alors les enfants qui bien ferré, mais allons voir en quelques images comment ça se passe ici. Thank you.
Alors Férosia, cet engagement qui continue de tout votre cœur, parce que là c'est pas contre cœur, ou bien on vit fait lien, vraiment. Alors direction la Norvège. Alors là, comme une partie pour la Norvège, c'était pour 2 mois et demi, qui deux enfants en bas âge, 3 ans, 2 ans. Pas facile du tout à l'université de Oslo, donc je commence ma première formation dans les specialists. Et là, c'était alors, qui nous apprend quand on dit formation? Parce que c'est aussi parce que les gens qui nous regardent là aujourd'hui, c'est aussi une envie pareille qu'on m'engage dans le social. Là, c'était à l'époque, il n'y avait pas de cours de l'éducation spécialisée. Donc, j'ai gagné une bourse de 2 mois et demi dans l'université de Oslo, le summer school, que je amalgame tous les types d'handicap visuels, sensoriels, physiques, tout. Donc là, on commence à prendre dans 2 mois et demi une crash course que, qui appelait ça un handicap là et comment pour vivre avec l'enfant en situation de handicap. Et aussi, ce qui s'était à l'époque, quand on rentre dans Norvège, c'était fully inclusive. On a découvert l'inclusion. C'était le premier pays au monde qui met en place l'inclusion. Donc, qui ne ferme toute ma institution spécialisée à l'époque et qui mise que sur l'inclusion. Ça veut dire que les enfants là, pareil, comme tous les enfants, de mingle avec tous les enfants qui nous disent normal. Donc là, il n'y a pas d'institution spécialisée. Tous les enfants, enfants. Tous les enfants, ces enfants. L'éducation spécialisée à l'époque, il commence ban dans Norvège et c'est l'inclusion. Donc, dans ma valise qui m'a rapporté, c'est l'inclusion. Je me rappelle quand je viens de dire à un ancipiade, mais voilà, mon apporte dans ma valise l'inclusion. Et il dit à moi, mais tu es folle. Parce qu'à Maurice, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire parce que la mentalité est différente. La mentalité. Et je suis capable, avec beaucoup de fierté, de dire, c'est moi qui est pionnière de l'inclusion dans Maurice. Et je réussis. Je réussis parce que maintenant, nous vivons dans une société inclusive. Nous pouvons trouver avec la formation continue qui m'a gagné. Et là, comme on commence avec la Norvège, je fais aussi un cours aide médico-psychologique avec l'île de la Réunion, un cours de presque 2 ans, avec beaucoup de l'examen, cours, dissertation, tout ça. Donc là, avec une formation de 1 mois à la Réunion sur comment occuper un enfant en situation de handicap, un handicap physique, et me dit l'institution quotidiennement grand. Comment pour qu'ils aident, comment vous donnez tous les soins. Et ça aussi, c'était vraiment enrichissant. Et là, je connais bien tous les types d'handicap. Et là, je lance avec l'institution où je travaille, le service d'intervention précoce. Quand nous travaillons le dépistage des enfants, comment faire dépistage quand un bébé est né, quelle est la vision. Et je gagne aussi une autre formation continue sur le terrain avec une dame américaine, Jane, qui forme moi à l'époque comment faire le dépistage, comment faire le follow-up, l'intervention précoce, comment soutenir les parents, la formation des parents. Et à l'époque, nous avons déjà commencé un empowerment des parents africains. Oui, alors justement, les enfants, parce que Africode, hein, c'est vrai que nous avons préparé l'émission, donc pour une conversation avec Férosia. Alors, une bonne affaire qui nous dit, moi, mes enfants, malgré qu'ils soient capables, différents, mais mes enfants, ils peuvent jouer, ils peuvent danser, ils peuvent sauter, piler, mais souvent, malheureusement, ben, c'est les adultes qui apportent un regard différent. Ok, nous venons le côté adulte. Donc, quand on rentre avec l'idée d'inclusion, on commence à faire l'inclusion dans maternelle. Donc, peut-être partager aussi les anecdotes qui vont dire moi un petit peu plus tôt. Donc, pourquoi l'inclusion? L'inclusion, c'est que quand mon petit père quitte moi à l'école, c'est que beaucoup de mes enfants. C'est que nous disons l'école normale. L'école spécialisée. Donc, je faisais passer une école normale pour moi qui me à l'école. Et là, il y a une remorque des enfants blessants. Aïe, il est handicapé, aïe, il est folle. Et beaucoup de remorques qui m'a blessé vraiment au fond du cœur, me blessé pas ça. Et quand je retournais de la Norvège, je me disais non, plus de cette mentalité-là, nous pouvons changer le mindset des Mauriciens, nous pouvons changer le mindset de ces enfants-là, parce que ces enfants-là, je dis le sens, je ne pas connais oui, qui je veux dire. Voilà. Je ne pas connais qui je veux dire. Donc, d'où l'idée, quand on vient faire le tournage, je trouvais ça, l'inclusion des enfants-là, quand nous faisons une performance, nous ne pas même connaître qui sont là qui ont un handicap, qui sont là qui nous capables de dire, entre guillemets, normal. Donc, tout pareil, tout sur le même plateau, tout sur la même scène. Et je devinis, je fais tout pareil. Et entre enfants, entre le pire groupe qu'on a appelé, ils paient dans sa différence. Là. Je ne trouve pas ça côté défaut là. C'est nous adultes
quand me dire mon parent adulte, quand on fait l'inclusion dans mon maternelle et dans mon maternelle qui vient dire moi, ben moi pas capable les mes enfants viennent dans l'école maternelle, moi peux payer et qu'un enfant handicapé comme ça blessant et qui ces enfants là peut faire ben grimace que mes enfants si capable vont prendre. Donc il y a tout un cheminement, un mindset qui m'ont essayé changer et qui peut encore changer, qui même de, en 2019 encore il n'est en réalité. Donc, là, il y a du boulot à faire. Il y a beaucoup. Hein. Quand dit mon pour guetter un enfant handicapé, il pour guetter lui deux trois fois, il pas pour guetter lui un seul coup de lui. Il besoin guetter lui un coup de comment tous les temps me dire que man des jeux de parole, il guetter lui bien guetter là, est-ce qu'il est bien trouvé là, il pour guetter lui deux fois trois fois et jusqu'à finalement parfois il a man remarque désagréable, non qui carvin dit man parole là, ben ce qui te fait quelque chose pour y aller les enfants là, à cause ça qui vient comme ça dans l'hôpital souvent nous donne ça. Hein. Donc il a tout un cheminement qui m'a continuer faire l'éducation des autres personnes. Alors l'éducation des autres personnes, où nous allons reparler dans quelques minutes. Et là, on propose une petite recette. Bienvenue dans l'Astuce du Chef. Aujourd'hui, moi, Chef Joseph Carly, pour présenter une recette bien reconnue, c'est Red Velvet avec Ban Red Berries. Pour commencer, dans nos recettes, il y a buttermilk. Pour nous préparer buttermilk, beaucoup de gens ne peuvent pas préparer buttermilk. Buttermilk, c'est du lait liquide avec un vinaigre. Et puis ça va bien détourner. Ok, pareil, moi, panier, moi, je fais panier. C'est pareil comme ça, c'est ma astuce ça. Là, moi, j'ai mon du lait liquide. Pour donner une recette exacte, c'est 175 ml de lait pour 1 cuillère, 15 ml de vinaigre blanc. Pour nous commencer à se faire, nous mettre nos vinaigres dans nos du lait. Nous laissons là comme ça, après, nous mettons nos vinaigres là. Nous laissons reposer pendant 5 à 6 minutes. Pour nos gâteaux Red Velvet, on a du beurre. On met dans le bol. Beurre là, c'est beurre ramolli. On ajoute du sucre. Nous, via lui, nous allons faire lui avec batteuse. On ajoute essence vanille. Vous ne pouvez pas nécessairement faire une batteuse pour faire Red Velvet avec la même. Nous battons. Là, nous ajoutons du zèle. Nous rebattons encore 5 minutes. Nous voyons que nous battons, ça va être sur ce stack, moi, détourner du verre là. Vous ne pouvez pas nous perdre. Nous laissons battre du soin à du soin et vous remis cremer encore. Nous la crème pareil. À ce stade, nous ajoutons une buttermilk. Nous mettons là-dedans. Un petit guide là. Nous continuons à battre. Nous trouvons un gâteau bien différent. Et pour le moment, c'est une tendance là, Red Velvet. Hein, le sardiné là, sa buttermilk là, rentre dans le sardiné là bien. Vous trouvez le bout détourné, un petit kit là. Voilà. Vous trouvez? Faites une ligne détournée là. Vous ne pouvez pas nous perdre. Ça, c'est ma tuerciste qui nous a appris. Une ligne détournée comme ça là. Vous trouvez? Là, on va arrêter. Maintenant, nous allons mélanger du mal, ingrédients secs. Ingrédients secs, on a la farine, cocoa powder. Il y en a bicarbonate, il y en a un petit pincé de sel, après un petit pincé de baking powder. Là, on mélange tout ensemble. Maintenant, on va faire mettre mon colorant rouge parce que ce gâteau-là c'est Red Velvet Cake. Voilà, on va mettre mon colorant rouge là-dedans. Il est bien, bien rouge, hein. Vous pouvez pas avaler le pâle. Là. Là. On va ajouter mon berry. Là, nous mettons nous un ingrédient sec. Nous mettons un petit guide avant. Là. Vous ne pouvez pas nous mettre tout un seul coup. Ça, c'est une astuce qui nous vient à faire. Nous mettons un petit guide par petit guide. En deux coups ou à trois fois. Nous allons mélanger. Nous mélanger bien. Ça, c'est une petite technique qui nous apprend. Voilà.
Vite, moi, je mets dans ça, je fais la main là. Parce qu'il y en bas, après, je fais l'image. C'est ma technique là. Ça, c'est ma petite astuce qui nous a suivi. Red Velvet, il paraît. Là, vous ne pouvez pas dans mon moulin Murphy, vous mettez un papier cassette là-dedans. Vous le suivez au four à 150 degrés pendant 15 à 25 minutes. Et dans l'appareil, il paraît. Red Velvet. Il disait, il ne faudrait pas aller couler ici, il ne faudrait pas aller trop dur ici, il disait, soft. Maintenant, un moule Murphy. Maintenant, papier cassette. C'est maintenant papier qui est donc après c'est nous nous farini. Ça c'est ma petite astuce qui nous a suivi. Pas nécessairement un papier comme ça, pas pour faire red velvet. Donc on farine le moule et pour faire ressortir un gros qui red velvet. Donc on fait un petit gâteau, nous on fait un gros gâteau mariage aussi. Là on met le cassette dans le moule. Et voilà. Et là beaucoup man personne par contre remplit une poche, par contre servir une poche. Une poche tienne. Pas poste qui nous pose dans le pantalon, c'est poste qui nous remplit un gâteau. Ok? Donc, pour ça, comme il y a un triangle. Il y a un triangle, et maman, pour faire c'est ma petite astuce qui nous a fait pour mettre mon ploï là. Pour prendre la main gauche là, pour jouer au lit là. Voilà, moi, j'ai mis un corps, trois corps dans la même vidéo. Pour ouvrir lit là. Ça m'a les doigts là, c'est le servi pour gratter l'appareil. Ça, l'appareil gâteau là. Pour aller là, on met tout la poche là, pour la main fermée, pour la main, on fait sa carte de velvet là, l'air là, on brise ça dans la main droite. Là. Là. Donc tu veux, tu es là, tu ne rentres pas bien. C'est une autre technique, une autre petite astuce. Pour aller là, il ne faut pas vous parler, vous tournez là, vous faites là, vous tirez l'air. Vous tournez là. Après, on prend un ciseau. Il ne faut pas couper trop gros, trop petit, normal, là, voilà. Là. Assez mon papier dans mon moule. Papier là, cette technique là, cette astuce là, peser mon moule pour la main là-haut. On met dans mon moule en bas, pour peser, pour retirer. Là. Je vais finir remplir dans mon moule Murphy. Là, je passe au four à 150 degrés pendant 20 à 25 minutes. Après 20 à 23 minutes, il prend. Du coup, chaud. Là, je vous laisse refroidir à côté. Entre temps, qu'il me. Red Velvet pour refroidir. Là, on va à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est cheese cream. Cheese cream, nous avons icing sugar, nous avons beurre, sans sel, nous avons essence vanille, avec nous avons cheese cream. Ok? La première étape, c'est nous mettre du beurre, coupe du beurre. Il fallait une ramolli. Ramolli, c'est une autre petite technique encore. Ramolli, c'est faire une mou. Il y a beaucoup de petites recettes. Maintenant, c'est un lit ou ramolli. Je dis, ah, on va faire une recette. La ramolli, c'est ça veut dire, c'est une mou. Là, on mange icing. Puis, allez, doucement. Parce qu'on va ramasser ça, icing là, net, du là. Icing là, bien mélangé. Avec ça, du bien là. Nous continuons mon lit. Parce que 10 à 15 minutes, on ajoute nous et sans vanille. Et quand il est limite à cet âge là, bien ramolli, là, nous ajoutons nous fromage. Voilà, nous mélangeons bien. Fromage là. Et je vais en battre beaucoup, hein. Là, quand nous mettons ça fromage là, et dans le film, ça prend manger, nous bien battre encore 10 à 15 minutes. Voilà. Laissez monter bien, faites une léger. Un coup pour l'air là-dedans. C'est quand nous battons bien, ça c'est ma tierce bien. Qui fait la crème monter, c'est l'air. L'air, et dans le battre, il vient l'air. L'air là, il monte. Pareil, ça nous vient un coup pour l'air là-dedans. C'est ma tierce qui nous a suivi. Là, il faut diminuer léger bien.
Après que je finis ma fille pendant 10 à 15 minutes, là, je vous laisse au frigo pendant 15 à 20 minutes pour que je n'ai pas le mot Red Velvet. Là, on va le déco au mot Red Velvet. Pareil. Voilà maintenant, pour remplir la crème. Il y a des petits guides, oui, 15 à 20 minutes, il vient prendre la crème là. On est là, on met un produit là, au milieu, vous voyez comme ça là. Mon dos qui est dans la vallée Red Velvet là, on prend un petit gâteau là, on va mettre la poussière, comme ça là. Et la poussière gâteau là, on va voir du monde. Mange avec l'IG ici, j'ai pas bien joli. Là, on prend ça va une beurre qui me mettait dans le gâteau là. On a mis en frais. On met l'eau là. Et voilà, mon gâteau Red Velvet, il me paraît. M'espérer qu'ils ont poussé ça la case. Merci. À la prochaine fois. Alors, Ferozia, l'éducation des parents, des adultes. L'éducation des parents, des adultes, qui compose de la formation des parents. Donc les parents, bisaient être formés, parce que j'étais là, j'étais dans l'angoisse, je gagne des enfants en situation de handicap, je ne pas connais vers qui tourner. Parce et là, personne ne peut choisir ça. Personne ne peut choisir ça. Nos rêves, c'est le rêve d'avoir un enfant en parfait, bonne santé. Un enfant parfait, l'idéal, de tout dans un rêve, de tout nous penser, mais voilà, moi, les qui mes enfants viennent telle ou telle personne. Et puis tout d'un coup, nous trouvons nous dans une situation que nous trouvons des enfants et nous ne connaissons pas qui enfants là peut gagner. Nous ne connaissons pas. Là, dit à nous, mais bien, il y a un sorcier, il y a un organisme, nous parler là. Parce que pour nous, les qui enfants là, c'est normal. Donc là aussi, je souligne qu'il y a beaucoup de charlatans qui profitent de sa faiblesse, mes parents là. Qui profitent du malheur des autres. Pour dire, mais voilà, si tu fais ça, tu fais ça, tes enfants pour guérir. Donc, il y a des parents pour gagner un bout de papier de diagnostic, je paye des plans, c'est pas 20 000, 30 000 rupies, ils disent pour dire, je veux, voilà, j'ai des enfants, il y a un handicap. C'est pas ce bout de papier là, ce diagnostic là qui pour apporte le bien-être de l'enfant. Le bien-être de l'enfant, c'est what next, qui nous besoin faire. Voilà, il est né avec. C'est bien-être, voilà, l'icum, ça ne va pas changer les choses. Nous besoin maintenant d'être plus loin. Comment nous développer? Comment nous développer, comment nous faire vivre quelqu'un dans la vie? Parce que quand il naît qu'une situation de handicap, ce n'est pas la fin, la fatalité. Quoi. Ce qui est énorme, nous a fait tout enfant, comme si on fait un moment de cours à la Réunion, il dit que tout enfant appelé à apprendre quelque chose. Donc, nous devons faire l'apprentissage, nous devons faire la prise en charge de cet enfant-là. Et là, nous commençons par la formation des parents. Si les parents-là, les papés, believent dans sa capacité-là, dans sa potentiel de l'enfant-là, il n'est pas capable de mettre les enfants là. Il est besoin de sortir de sa déprime là. Parce que là, tout est une douche froide qui coule l'eau. Là. Donc, il est besoin d'arriver à sortir dans sa déprime là. Et quand il est sorti dans sa déprime là, là, le cheminement de l'enfant va se faire. Et là, quand il chemine avec ses enfants là, il est découvert le côté qu'ils enfants là et non de beau. C'est juste quand il est sorti dans sa déprime. Bien sûr, parce qu'on va nous dire, chaque enfant est une promesse de bonheur. C'est vrai, c'est vrai. C'est sa beauté qui est là, dans ses enfants-là. C'est là qu'il a découvert sa talent-là. C'est découvert. Et avec sa talent-là, avec sa découverte-là. Donc, nous cheminons ensemble. D'où l'idée de la formation des parents. Nous cheminons ensemble, nous amène-les vers quelqu'un et faire l'enfant réussir dans la vie après une éducation. Presque tous les enfants de l'île Maurice sont intégrés dans une maternelle, nous faire l'inclusion dans la maternelle et puis nous emmène-les vers l'éducation inclusive si possible. S'il n'est pas possible là aussi, nous mettons-les dans l'éducation spécialisée et livine quelqu'un dans la vie plus tard. Mon but, c'est qu'il livine quelqu'un dans la vie, il pas juste reste dans sa situation. Et là. Et qu'il puisse s'en sortir et vivre bien. Donc, normalement. Vivre normal comme tous les enfants avec les mêmes droits des personnes. Donc là, mon pensée, mon besoin cause sur les droits des personnes en situation de handicap
Et là, encore une fois, je veux dire que j'ai la chance de former partie d'un grand forum qui s'appelle le Forum de African Disability Forum. Alors, c'est quoi le African Disability Forum? C'est qu'il y a un forum qui regroupe 50 pays d'Afrique qui nous militent vers, pour move, vers, bouger vers l'inclusion. Et l'inclusion avec les droits. Nous bougeons maintenant vers l'inclusion quand nous causons l'aspect droit, nous causons l'aspect droit. Donc la personne qui est en situation de handicap, il est dans les mêmes droits que tout le monde. Il n'y a pas un charity-based approach que nous demandons de charité pour cette personne-là. Le droit ce à droit part en entière. Tant qu'être humain à part entière. À part entière. Et là aussi, je veux bien dire qu'avec tout ça exposé international, tout le monde gagne là. Mon gagne l'occasion présente le rapport de UNCRPD, United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, donc la Convention des droits des personnes handicapées, avec la Genève. Donc là, avec l'ONU n'appelle moi, on présente le rapport qui m'a fait le shadow report, comment nous dire. Donc avec ce rapport là, nous gagne le concluding report, tout ce qui est recommandé, le UN recommandé pour qu'il puisse avancer vers une société inclusive. Et quand nous cause à côté droit là, nous cause aussi énorme réserve qu'il y a Maurice, il mettait l'eau, ça a un droit qui est dans là. Donc il y a trois réserves qu'il mettait, et dans la réserve sur tout ce qui est l'accessibilité, tout ce qui est l'éducation et tout ce qui est le risk management, tout ce qui est calamité, disaster, le risk disaster. Donc, ces trois réserves-là, ils mettaient pour qu'ils m'a dit là, la convention pas capable d'implémenter fully. Et plusieurs fois, même à travers la Genève, on essaye pour militer pour enlever ces trois réserves-là. Mais il y a encore toujours, comment dire, un épée Damoclès, la convention. Mais comment nous dire, tant qu'il y a David, l'espoir. Il y a de l'espoir. L'espoir n'est pas perdu pour que tu puisses continuer à combattre pour ça. Vous pouvez continuer à militer pour ces réserves-là enlevées. Deux gouvernements passés, donc nous pensons avec en 2019, 2000, nous causons beaucoup 2030, nous causons le SDG Goals, nous causons un tas d'affaires. Donc nous pensons le gouvernement a besoin de réaliser qu'il sera une réserve là, besoin d'enlever. Mais quoi qu'il en soit, nous avons bien avancé. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur voyons la bonne le côté voie. Positif. Alors toute cette formation qu'on a gagnée, donc à partir de la Genève jusqu'à aujourd'hui, sur le plan local, sur le plan international. Donc, Sène Ferrou crée ou l'association il y a quelques temps, Ferrosia, alors l'association qui nous gagne bonheur, donc visiter aujourd'hui, donc à l'amphithéâtre, à Maïbourg, que nous étions précisément. Alors, nous récits trouvons des enfants à l'œuvre, à faire des fleurs, du coloriage, à fabriquer des bijoux, mais c'est aussi un artiste en est. Alors, nous gagnons sur scène tout de suite. Oh,
कभी शान भले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चन खिली तू मेरे दिल में आ जाना, कभी शान ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चन खिली तू मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तू के यहाँ से फिर न जाना, कभी शान ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चन खिली तू मेरे दिल में आ जाना।
Alors, elle d'aujourd'hui avec Ferozia Osania, qui est présidente de Youth with Disabilities Empowerment Platform, l'association qui existait depuis quelque temps déjà. Donc, l'association existe depuis bientôt 2 ans. Un an, nous prenons le rodage. Donc là, 2 ans, nous fully register. Nous comptons en banque. Donc, nous arrivons à un bon bout de chemin. Et qui fait le Youth with Disabilities? La ville de votre cœur. La ville de mon cœur, oui. Donc, qui fait Youth with Disabilities Empowerment Platform, c'est qui nous a inspiré pour beaucoup de pays d'Afrique qui est dans ce modèle-là. Le UN est dans ce modèle-là. Parce que je pensais que nous sommes dans tous les pays du monde, et non, ce qu'ils nous appellent le Disabled Person Organization, donc le DPO. Donc, le côté mouvement jeune, l'effacé, parce que tous les temps, nous trouvons un vétéran qui peut lead le côté handicap. Donc, je demande moi pour créer le Youth with Disabilities pour qu'il m'a dit nous capables de faire ça, man jeune là. Si gagne sa formation là, vienne quelqu'un dans l'avenir et a une vision pour plus tard, je te prends la relève. Parce que quand nous get nous besoin d'un mentoring, nous besoin qui aide ban mentor pour qui ça m'a des enfants là. Je te gagne, je te place dans la société, je te bouge, si je te connais, qui appelle le droit des enfants, qui appelle le droit des personnes handicapées. Donc l'idée de créer ce groupe-là, c'est aussi pour empower je du côté du droit, du côté de l'emploi, parce que quand on finit faire l'inclusion, what next? Il faut toujours. Nous besoin d'une vision, ne pas qu'à dire oui, voilà. Nous finissons faire jeter dans l'université, ce qui est dans le collège ou bien ce qui est dans l'éducation spécialisée. Je ne suis pas capable, après 20 ans, quand l'éducation, il finit, arrête de gagner paiement parce qu'il y a une ONG qui gagne paiement jusqu'à ce peu capital grant arrête 20 ans. Donc, je demande à mes enfants là, ils restent à casa, c'est-à-dire. Fini. Parce que l'éducation, non, est finie. Ça ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. C'est là la fleur de l'âge, comme on nous dit, à 20 ans, l'âge commence, la vie commence à partir de 20 ans pour les jeunes. Là, je peux découvrir le mariage, je peux découvrir plein de choses, le premier amour, tout ça. Mais pour nous, les jeunes, il n'y a rien. Je suis dans l'école, oui, mais après, il arrive 20 ans, mes papas connaissent qui peut faire aux jeunes, ce qui est capable à l'université, mais ce qui est un handicap intellectuel, je traite aux jeunes tel que ma soeur, qui est capable de faire, il ne fait rien, il reste à case. Maman ou papa est décédé, il a vos responsabilités. Donc là, ça pousse moi plus vers qui nous peut faire maintenant. Moi, je travaille à gauche, à droite, mais le côté de ma soeur, sa prise en charge, il reste zéro. Et là, nous nous mise dans le groupe sur le loisir, sur le droit, sur tout ce qui est atelier du travail, faire un petit atelier de bijoux, nous gagnons aussi une commande quelquefois, quand nous donnons les pécules à nos enfants là-même. Je te fais ce type là, je te fais ce petit bougie, tout ça, pour Diwali par exemple, je vends la bougie, je fais ce marketing sur nos pages Facebook. Donc là, je gagne une commande, je suis tout fière de moi-même, que je rapporte quelque chose. Et moi, je trouve la vision, c'est que je devine quelqu'un dans la vie. Je pas capable de finir faire l'étude, faire l'éducation et puis rester à la maison. Et puis, il ne faut pas oublier que sa parent qui s'y amène ses enfants-là au monde jeune, maintenant, il vieillit. Il vieillit maintenant. Il vieillit maintenant. Il vieillit la force, même courage. Il n'est plus en vie de continuité. Oui. Donc là, c'est les sœurs comme moi, une sibling, qui prend le relais et qui amène sa main des enfants là vers quelque chose. Et nous capables de dire tous les ans, ça fait 2 ans qu'il nous a le Rodrigue, donc nous mettons dans l'avion, nous prenons l'avion. Cette année-ci, c'était 4 fauteuils roulants. Pas évident du tout, voyager avec 4 enfants en fauteuil roulant, 4 jeunes en fauteuil roulant, avec des enfants qui ont syndrome d'autisme, trisomie, tout type d'handicap confondu, même une fois nous amène un petit fille totally blind. Mais c'était parfait et je t'enjoy, je suis content. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel et je suis vraiment épanouie dans le groupe. Et le groupe, comment me dire, il est fully inclusive. Et je suis une jeune de cet âge qui vraiment entretenir je, faire danser, faire t'amuser. Et nous faisons une grande vacances aussi, une respite care, comme on appelle, 2 fois, 3 fois l'an, dépendant de la sécurité sociale, combien de fois nous sommes capables de gagner un centre récréationnel. Et là, nos futurs projets, c'est un camp de vacances, pas un camp de vacances, un residential workshop pour les parents. Parce que les parents ont envie de gagner sa formation. Là. Je tente des enfants tous les temps, puis à le camper. j'ai envie d'y aller. Donc, nous, l'idée, c'était respect, mais maintenant, il y a une autre demande qui peut émerger, qui nous peut travailler. Là. C'est le camp résidentiel formatif pour les parents. D'accord. Et l'un des affaires qui vont retenir aussi, alors Ferozia ou maman 3 fois. Alors comment est-ce que vos enfants
ont réagi, comment se comportent vis-à-vis de votre sœur quand vous étiez en bas âge. Ils sont grands maintenant, vos maintenant, enfants. Maintenant, mes enfants sont grands, donc je peux faire toute la vie. Je suis encore toujours en formation, je suis encore peux faire toute l'étude. Mais je suis folie engagée dans le social. Donc, moi, j'ai mes enfants qui avec moi tout le temps, le medical day qui m'organisait, toutes mes activités qui m'organisaient, maintenant le support de mes bons enfants. Mes bons enfants, je suis fully involved dans le social, je suis bien content. Et ma sœur, souvent quand je suis partie, c'est si un ou deux enfants là, c'est je qui peux guetter, sinon c'est mon époux. D'accord, en tout cas, Ferozia, je vous merci d'avoir partagé cette histoire, parce que ce n'est pas évident de parler de certaines choses, mais une cause nous à cœur ouvert, nous dire merci. Et surtout, bonne continuation pour ce que vous pouvez faire et continuer à combattre pour le droit de ses enfants et de tous les enfants. Et si vous avez un petit message, là, je pense que c'est le moment ou jamais. Alors moi, je tenais beaucoup à remercier Clara et sur l'équipe, qui est une belle équipe, formidable, et qui met nos enfants à l'aise, qui paraît qui bien comprend la situation que Dieu vive, que Dieu peut venir. Et là, le message qui m'a très fort à passer aux parents, c'est qu'il ne faut jamais se désarmer. Il faut toujours se tenir dans sa lueur d'espoir là, qui quelque part pour arriver que de bons enfants là, pour énoncer l'indépendance. Donc moi, ce qui me demande aussi, c'est pas de surprotection comme un enfant un petit. Sa surprotection-là, il ne peut pas faire le bien-être de l'enfant. Je t'ai appelé à vivre indépendamment. Je n'ai plus dans mes parents. Donc, si mes parents partent laissement pour en charge mes soeurs, ben, ils sont quelque part bien perdus après le départ de mes parents. Et si ça fait, moi, j'ai envie de dire, la dernière fois que je suis partie, je prends l'avion avec mes soeurs, ils sont extrêmement peur pour tous mes enfants, mais je n'ai pas pensé qu'ils pourraient réagir comme ça. Mais ils réagissent vraiment mal la première fois, parce que pour lui, quelque part, ce qui choque moi, les temps, mon récit, faire les retourner depuis Rodrigue. Je me disais, mais qui fait ton père dans l'avion? Je me disais, mais qui fait ton père? Il disait, moi, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie à joindre maman, papa dans le ciel. Donc, ça, c'est vraiment blessement. Et là, je me disais, explique-lui dans l'avion. Tu connais, mais il y a plusieurs ciels, le seul ciel qui te peut trouver là. Maman, papa, il est bien loin, il parle dans le ciel qui te peut aller là. Et là, il montre moi, encore une fois, comme maman des enfants trisomiques, j'ai très peur de tout ce qui est maladie, tout ce qui est la mort. Et là, c'est ça qui me tient envie de partager. Qui, voilà, je t'énonce à ma peur là, je t'énonce à ma frayeur là. Et nous, nous sommes là pour faire juste overcome sa ma peur là. Ne pas dire, mais voilà, si plus nous surprotégeons, plus je ne peux pas lui. Et je suis capable de dire, mon vie, la vie vraiment, ça déclic comment Clara te dit moi au départ là. Une vraiment quelque chose de positif et battante dans l'âme, militante, folie pour les droits des personnes handicapées. Donc, moi, pour continuer à militer et nous mettre jusqu'à côté Clara. Merci Clara, merci à tous. Merci encore à vous, Ferozia. En tout cas, une belle émission remplie d'émotions. Hein. Et en tout cas, comme Ferozia Ndjeli, tous enfants, c'est un enfant qui lit normal, comment nous dire, qui lit en situation de handicap. Tous enfants, ils ont le droit au bonheur. En tout cas, merci pour votre fidélité. Et bien, moi, je dis merci à mon équipe aussi aujourd'hui. Et je fixe les autres rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Bye bye.